Sur la santé, nous étions également leaders et nous maintenons notre leadership, notamment l'assurance maladie complémentaire, et compte tenu des évolutions du marché, c'est un élément important pour nous pour la suite. Nous avons aussi axé énormément notre capacité d'innovation sur la branche santé cette année, pour anticiper justement les changements réglementaires et ces évolutions du marché. Je le disais en introduction de cette slide-là, le grand satisfaction de l'année, c'est, comme je disais, historiquement, on était très orienté auto et santé, et on ne s'était pas permis forcément d'aller concurrencer les autres compagnies sur la force d'une branche de vie qui est les entreprises. On ne fait plus aucun complexe sur ce sujet-là, et on fait une très belle croissance encore une fois cette année sur cette branche-là, après déjà une belle croissance en 2021. On reviendra dessus, mais la réalité, c'est qu'on est. Donc, on a défini ça comme un axe important de notre stratégie, d'aller viser les PME qui sont très faiblement assurées, qui ont une taux de pénétration très faible. Elles sont moins volatiles que les grandes entreprises. Et donc, c'est un terrain de jeu qui nous convient bien. On a beaucoup d'énergie à essayer d'assurer ces PME. Et ça nous fait prendre, nous fait gagner des parts de marché sur les petites entreprises. On est bien aidé en cela par l'appartenance au groupe Saint-Lam qui nous donne pas mal d'outils qui nous restent pertinents, heureusement, sur ce sujet-là. Voilà, dernier point important sur la maladie, je l'ai dit tout à l'heure, on apporte beaucoup d'importance à la proximité avec nos clients. Cette proximité, elle se fait aussi grâce à notre réseau. On continue d'investir sur ce réseau qui est le premier au Maroc, vous le savez, que ce soit en termes d'agences, 500 agences aujourd'hui, mais aussi avec nos courtiers. On a beaucoup redynamisé notre relation avec nos courtiers cette année. Et on a, à côté de ce réseau physique, aussi renforcé beaucoup notre présence digitale, pas uniquement en communication, mais aussi en termes de présence sur des canaux de vente ou de renouvellement ou d'accompagnement en digital. Alors, je l'ai évoqué, comment parler de 2022 sans parler du changement de marque qu'on a connu en juin 2022. C'est un élément majeur de notre année qui a structuré notre année 2022. Il a fallu faire face à tous les défis qu'on a évoqués dans le contexte économique avec en plus la nécessité de cette décision qu'on a prise de changer de marque en 2022. Donc c'est un changement qui s'est fait de manière assez naturelle parce que le changement s'est fait 4 ans après l'arrivée des actionnaires au niveau de la compagnie. Mais c'est un changement qui était important pour nous parce qu'il officialise quelque part l'adossement à ce grand groupe qui est le leader du respect des services financiers en Afrique et qui nous donne beaucoup de force pour nos développements. Donc je ne vais pas en dire plus parce qu'on a passé beaucoup de temps, notamment avec les journalistes, sur ce sujet en juin et je pense que vous avez encore, j'espère, en tête tous les avantages que ça nous procure. Alors, si je devais retenir un point essentiel de ce changement de marque, alors, historiquement, c'est vrai que c'est une compagnie qui a énormément innové au fil des ans, qui a aussi beaucoup communiqué là-dessus, ça fait vraiment partie de notre ADN. Donc, on a fait un travail en interne pour définir les 4 valeurs majeures de nos collaborateurs. C'est venu d'eux, l'innovation est arrivée en premier. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont rejoint CRM à l'époque et Saint-Lam Maroc aujourd'hui, parce que c'est une compagnie qui innove, et c'est un état d'esprit. Et donc ce changement de marque, c'est aussi accompagné d'un certain nombre d'innovations importantes. Ça a relancé cette dynamique d'innovation et donc c'est matérialisé par le lancement de nouveaux produits. Donc, vous pouvez le voir, si on va en citer quelques-uns, peut-être celui qui a fait le plus de bruit, c'est l'assurance continuité solaire. C'est un sujet qui a été très bien accueilli par le marché, qui répond à un vrai besoin. Je pense que tous autour de nous, on a vécu une situation un petit peu pénible où les enfants ont été déscolarisés parce que les parents qui finançaient les études sont décédés. Et c'est des choses qu'on ne veut pas avoir. Et donc, on a développé ce produit qui permet d'assurer une continuité jusqu'au bac en payant des prix relativement faibles. Je suis ravi aussi de dire que ce produit a été élu produit innovant de l'année dans le cadre des traités d'assurance qui se sont tenus pour la première fois cette année. Donc c'est une vraie satisfaction, je remercie l'ensemble des équipes qui ont travaillé là-dessus. On a aussi en relation des initiatives de parrainage, des choses comme ça. Et je l'ai dit aussi en introduction, l'innovation c'est aussi, pas que la digitalisation, mais c'est aussi beaucoup de nouveaux services digitalisés au service de nos assurés. Il y en a une qui me plaît beaucoup, j'aime beaucoup en parler. Je pense qu'on communique beaucoup dessus en faisant un peu d'éducation financière, même si le terme peut paraître un petit peu pompeux, mais c'est... En fait, on vit, sans faire de suspense,
c'est le, on a lancé une plateforme qui permet de souscrire l'assurance décès emprunteur en ligne. En fait, ce sujet-là, vous, tous ceux qui ont pris un jour un crédit, qu'ils soient immobiliers ou consommation, le connaissent. Au moment de prendre votre crédit, votre chargé de compte à la banque ne vous laisse pas trop le choix, il vous oriente très très fortement vers l'assurance de son partenaire assureur. Et en général, il lit le déblocage du crédit à la signature en bas à droite sur le contrat d'assurance, qui est un nom très très cher. Alors, dans notre malheur, on n'est pas un très grand acteur pour l'instant de l'assurance vie, ça va venir. On essaie de trouver des niches de développement, on a identifié celle-là, elle nous tient à cœur parce qu'on a lancé cette plateforme qui permet d'économiser jusqu'à 60% sur le prix d'assurance décès emprunteur, c'est énorme. Et on en parlera jusqu'à ce que ça finisse par se savoir. Le concept est très simple, jusqu'à 2 millions et demi de terrains, vous n'avez pas besoin de visite médicale, vous remplissez un formulaire médical, c'est déclaratif, vous souscrivez, vous prenez votre prime sur place. Et vous pouvez aller avec une délégation d'assurance chez votre banque et récupérer votre crédit. C'est extrêmement simple, c'est rapide et c'est même souvent sans visite médicale. Voilà, on a aussi développé, je l'ai dit tout à l'heure, la proximité à travers le digital. Donc, sur l'assurance automobile notamment, aujourd'hui, on peut tout faire en ligne, souscrire, renouveler une assurance, suivre un sinistre. Encore une fois, on fait ça en partenariat avec nos intermédiaires, en particulier nos agents sur ce sujet-là, on ne les écarte pas. C'est un sujet, c'est une question que vous souvent posez, de dire, mais est-ce que le digital ne va pas venir concurrencer votre réseau alors que vous avez le premier réseau? Est-ce que ça va vous cannibaliser justement cette clientèle? Pas du tout. On accompagne nos agents, c'est-à-dire systématiquement, quand un assuré décide de souscrire en ligne, on lui fait choisir un agent qui va pouvoir l'accompagner dessus pendant toute la durée du contrat. Donc c'est une initiative intéressante et nos agents en sont ravis. Dans la même logique, on a aussi déployé une boutique d'assurance en ligne qui permet de fonder un outil risque habitation. Alors, on parle souvent de digital et d'innovation en pensant aux nouveaux services, des choses visibles, mais aussi tout ce qui permet de nous rendre beaucoup plus efficaces, à la fois dans le process interne, mais aussi dans nos relations avec ce qu'on appelle le fait écosystème. C'est un mot très à la mode ces dernières années, mais c'est une vraie réalité. Dans notre métier, en l'occurrence cette année, on a choisi de faire un focus particulier sur trois types de partenaires. Donc, on a santé, une plateforme santé qu'on a lancée cette année pour faciliter l'ensemble des échanges et des interactions sur tous les dossiers maladie et surtout les contrats maladie, la souscription jusqu'au sinistre, les applications. Et donc, c'est une plateforme qui a vocation à aider nos intermédiaires, en particulier aussi les grands courtiers souscripteurs, à fluidifier nos relations et à améliorer notre efficacité. Ecosys, c'est toute la gestion, c'est une plateforme qui permet de gérer toute la partie expert, garagiste, automobile, réparateur de glace. Encore une fois, ça permet de fluidifier la relation, gagner du temps, gagner en efficacité. Et le Web App, c'est une initiative lancée par Sana Maroc il y a déjà quelques mois, qui permet en fait c'est une plateforme qui est dédiée aux avocats, vous savez, dans notre métier, notamment sur l'assurance autonomie, pour tous les accidents de la circulation qui impliquent des victimes physiques, des victimes de la route, passe par un processus juridique et avec les avocats, et parfois ça peut prendre énormément de temps et de temps. Et en fait, cette plateforme Baobab nous permet de limiter justement beaucoup les cycles en fait, d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. C'est des choses dont vous n'avez pas forcément entendu parler, mais on améliore énormément notre efficacité, notre proximité avec les clients, la fameuse qualité de service dont je parlais dans le cadre de stratégie qui nous permet de garder nos clients et de conserver nos nouveaux. Voilà, donc je pense que ça faisait des années qu'on n'avait pas été aussi présent en communication en 2022, à partir en particulier de la campagne de rebranding. On a vraiment mis énormément de moyens. Merci à l'ensemble des équipes, notamment du groupe, qui nous ont accompagnés là-dessus. Nous, ça nous a fait du bien en interne, parce qu'on a beaucoup parlé de Sana, mais ça nous a fait du bien voilà, de nous voir un peu partout. Et ça nous a donné goût, justement, à la communication. Donc, l'équipe a pris sérieusement le relais. On est toujours, comme ils disent, always on depuis le début 2022. Ça va continuer en 2023. Donc, il y a cette nouvelle plateforme de marque. Et en fait, maintenant, tous les ans, toutes les 2 semaines, on peut mettre sur un nouveau produit. Et ça va durer jusque. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Avec ces petites musiques qui vous rentrent dans la tête et qui sortent plus. Donc on va continuer de vous harceler avec nos musiques.
Ça va. Voilà, moi j'ai fait le tour des faits marquants en ce qui me concerne. Je vous propose de passer aux chiffres clés, de reprendre la main.